Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Nous sommes de retour sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. On continue notre avancée. J'avais des quêtes annexes à faire et notamment celle-ci, souvenir ébène déplorable, tragédie, pardon. Mais également le même souvenir ébène mirage dissipé. Ce sont certainement deux boss à nouveau. Celui-là, j'imagine que c'est l'espèce de Shiva de feu. Shiva de la version, comment dire, mythologique, plein de bras, tout ça. Et celle-ci, je vois bien Tiamat ou je sais pas quel autre boss y restait. Non, il reste que Tiamat, il me semble. Donc je vais les laisser de côté pour le moment et on va attaquer la suite du scénario avec la Tour des Anciens, une stratégie centenaire. Bref, c'est parti. Bonsoir Yann, Kuro, comment ça va? Tous les démons ont été vaincus et l'éclat des cristaux restauré, mais Jack n'a pas perdu son désir de vaincre Chaos. Ses compagnons et lui rentrent à Cornelia pour faire leur rapport, mais les habitants, effrayés par les nombreux changements du monde, rejettent la faute sur eux. Alors qu'ils sont reçus en audience par le roi, des monstres et des pirates, dirigés par le capitaine Bike, font leur apparition en ville. Ce dernier ressemble à un monstre sous l'emprise des ténèbres, mais reprend ses esprits après sa défaite. Il use de ses dernières forces. Pour dire à Jack que les chauves-souris les guideront jusqu'à Astos, puis rend son dernier souffle. Ils les suivent alors en direction d'une tour qui vient d'apparaître. Let's go. Alors ouais, j'ai drastiquement changé le stuff. Pour information, il y a eu un patch tout récemment là. Et du coup, on peut, comment dire, désassembler automatiquement certains stuff. Donc ça m'a pas mal aidé au niveau de l'équipement. Et surtout, ça m'a permis d'équiper les autres un petit peu décemment, quoi. Ça lui ressemble à une fourmi. J'ai changé de classe aussi, puisque j'en ai profité pour monter 2-3 niveaux, histoire de terminer le Berserker, je crois que j'étais en train de faire. Ouais, je crois que c'était ça. Du coup, il m'en reste plus beaucoup à monter. Je sais pas s'il m'en reste à débloquer. Mais bon, il y en a une qui est toujours un petit peu en retrait, mais je tâche de la monter avec les objets là. Les animaux ou je sais plus trop quoi. À savoir le voleur, mais sinon il me reste que bah, cette petite liste là. Ça va aller assez vite en fait. Hein. Bonsoir Nanatoru, merci pour tes 6 mois de sub. Comment ça va? J'aime bien le décor ici. Je vais essayer au moins de terminer le sage sur ce niveau. Je pense pas que ce sera difficile, j'ai déjà pris un niveau. J'aime beaucoup le ravageur aussi. Hein. C'est la version supérieure du samouraï, je pense. Il a des skills assez somptueux. Notamment, je vais vous la montrer. Si j'arrive à la placer, évidemment. Et je vais crever quand je vais essayer. Putain, mais il y a du monde là, hein. C'était pas ça. On verra après, hein. C'est un peu trop dangereux là.
C'est chelou son ultrason, lui, il en fait 3 en fait. Alors, le skill en question. Est-ce qu'il reste du monde ici? Oui. J'arrive même plus à le sortir en fait. Ou je regarde, peut-être que je l'ai pas avec cette classe. Non, j'arrive pas à le sortir. Bah si pourtant. Ah c'est parce qu'elle coûte 2. Autant pour moi. C'est celle-ci. Bon, malheureusement, ça a loupé. Ah zut. Il y a beaucoup de coups imparables quand même. J'ai intérêt à faire gaffe. Putain, mais t'es assez vu ? J'ai eu chaud. Ça ne s'arrête pas. Ah purée. J'aurais dû m'en douter. Ça va être dur ce donjon, hein. Purée. Jack가いれば負けないさ.
切りすぎたかな。圧勝だな。C'est quoi ces chauves-souris qui résistent à autant de coups, quoi? Ah oui, j'ai le coup d'Odin aussi. J'ai jamais réussi à le placer. Il se dédouble, c'est quoi? Ou c'était juste un petit concours de circonstances là? Je sais pas, on va voir. Attends, c'était un passage secret pour esquiver le monstre. Ça va être trop dessus en fait le bruit là. Je sais pas, c'est curieux. Tu sais, si t'es loin dans le jeu, je pense que j'ai fait les bons trois quarts du jeu, ouais. Je sais pas quelle est la limite de niveau, mais là j'ai un niveau d'équipement 80+. Donc si c'est 100, en tout cas la base pour une première partie, parce que je présume que j'ai un New Game Plus. Bah les trois quarts, c'est pas déconnant. Ouais. Ils sont en train de me latter, ces cons là. Non, mais arrête de le repousser, il m'énerve. J'estime que d'ici dimanche, bah, j'aurai fini le scénario, quoi. Je pense. Le haut vent. Putain, j'ai intérêt à faire gaffe au mur. Hein. Ça se voit facilement, mais bon. C'est même pas des vrais passages secrets en fait, puisque ça se rejoint. Je capte pas trop ici. Hein. Non, franchement, ils n'ont rien fait, quoi.
J'aimerais bien que tu fasses l'intégrale de FF7 Remake. J'y songeais récemment là. Mais avant ça, j'aimerais finir Xenogears et Judgment. J'avais pas pu avancer ces deux jeux vu que ma mère était là, donc je pouvais pas vraiment jouer en dehors des lives. Mais là, ce week-end, je vais reprendre, évidemment. Après, je dis ça, mais j'ai pas mal de trucs à faire ce week-end, donc... C'est sûr, mais l'intergrade a l'air assez court, moins de 10 heures. Ah ouais, mais si je le fais, je reprends de zéro. Parce que je vais faire la version PS5, en fait. Ouais, ouais. Après, ça va très vite, hein. C'est pas un jeu très long, et puis... t'enchaînes... relativement vite dessus parce que bah t'es à fond dedans quoi. Alors, ça pour le moment c'est cuit. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Ça se trouve que je peux le casser. Salut Tidros, comment ça va? Cube, hakim. Ça va, je suis allé récupérer ma nouvelle voiture, je suis refait. Ah, c'est quoi comme caisse? Ouais, Tidros, il brasse. Je les aime pas beaucoup, ces squelettes, ils sont trop dangereux. Il va où lui? Ah non, 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 je vais mourir. C'est pas grave, il y a le checkpoint à côté. Toyota Yaris Cross Hybrid. Calmez-vous, c'est de la LLD. Ah, c'est location. Pas location, mais... si, location longue durée, quoi. ここからだ。変更だ。やめろ。
Ça vaut le coup la LLD? Tu peux te changer de voiture tous les 3 ans. Mais niveau tarif, ça te revient pas à plus cher? Tu vas la crash en 2 jours ta caisse? Il s'en fout! C'est une location donc. €290 par mois? D'accord. C'est quand même la sérénité, les contrats comme ça. Ça fait un sacré loyer supplémentaire. Oui, mais comme tout est pris en charge, s'il a le moindre pépin, bah il a pas sans souci en fait. Il peut pas avoir de dépenses hors budget. Et ça, franchement, c'est ouf. Hein. S'il a le moindre pépin, je la ramène, il s'en occupe. Ouais, voilà. Le seul fait de pas avoir de surprise avec ta caisse, franchement, c'est... tellement bien. L'assurance est compris dans le prix ou tu dois rajouter quand même? Passage secret. Non, mais je paye que 6 euros de plus par an. Ouais, autant dire qu'elle est comprise, quoi. Franchement, c'est pas mal, hein. Après, je connais pas le budget d'une caisse. Vu que j'en ai pas. Merde, il m'a enfermé. Et ça se fait pas, en fait. Putain, il m'énerve lui quand il tape. Putain, il arrête pas de les repousser. Je mets tous mes coups dans le vent. Du coup, je venais d'où, moi, en fait? D'ici. J'ai l'impression que ça... ça a débloqué un petit raccourci, là, non? Clé nécessaire. Je crois que je vais monter. Hein. Il y a quoi par là-bas? Un cul-de-sac. Salut gare, comment ça va? Un cul-de-sac, donc il n'y a que l'autre escalier. Ah bah voilà.
Ouais, j'ai vu le shopping que t'as fait. Ça va, toi, tu kiffes ta life, hein. Ça déboîte quand même le Zantetsuken là. Ouf. À mon avis là j'étais mort. Hein. Je t'ai pas montré ce qu'il y a en commande. Tu commandes à la boutique ou comment ça se passe? C'est beau ça. Mais je préfère ça, hein, pour le moment. Tourne en si nostalgique de FF11, sniff. J'aurais dû le faire, FF11. Mais bon. Oh putain. Ça, ça va être chaud. Voilà pourquoi, parce que c'est des saloperies. Le bordel! Maverick. Do suru? Hoka no ruto o sagasu? Sore tomo kono ana ni tobikonde miru? FF11, j'y ai joué 2 heures, pas de serveur FR, je comprenais rien. Tu comprends pas l'anglais, Nanataro? Moi j'avais juste adoré la cinématique d'intro. Elle était trop bien. Et j'y ai jamais joué, donc je sais pas ce qu'il valait. Je comprends pas le japonais surtout, mais fallait jouer en anglais, t'es un âne quoi. Il y avait même une version française des FF11, non? J'en sais rien. C'est bizarre ce truc quand même, non? Ça va peut-être tomber.
Tu parles de l'intro, il y a une bataille, un météore qui tombe sur la foule, ouais. Avec tous les mages qui l'invoquent là. Sur la horde. C'est trop stylé. Bien d'ailleurs, je vais me la remater après. C'était mes premiers pas sur internet aussi, j'ai dû me planter de serveur. Ah bah c'est sûr hein. Mais attends là je suis en train de monter alors qu'il y avait une... Tambéry, on descend hein. Je crois que c'est en bas la suite. Alors, en fait je veux surtout redescendre parce que j'ai obtenu une clé pour ouvrir une porte qui est en bas. D'accord, je suis revenu ici. Moi, à cette époque-là, je sais pas ce qu'il y avait à l'époque d'FF11, mais je jouais à Lineage 2. Je sais même pas si je vais pouvoir redescendre en fait. Ah non, je peux pas. Oh, ça fait chier. Est-ce qu'il y avait un autre escalier? On va le chercher. Ah si, peut-être qu'en fait je peux. Ah voilà. Bah je crois. Par contre la porte, je sais plus du tout où elle est. C'était sur la Xbox 360. Ah bah c'est là. Ah ah. Quoi, c'est tout, même pas un petit item orange. Quelle bande de rats. Allez, on remonte. Après, ma cinématique préférée, ça reste quand même Wrath of the Lich King de World of Warcraft. En français, s'il vous plaît. Je vous le ferai bien, Warcraft 3, dans sa version Reforged, sur la chaîne. Un de ces quatre, peut-être. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Même si je connais très mal le background de Warcraft. C'est trop, beaucoup trop complexe, beaucoup trop complet, surtout pour moi. Jamais j'arriverai à retenir tout ce qu'il y a dedans, quoi. Bon, mes copains les Tambéry. Ceux-là, c'est pas les pires. Ça va encore. A priori. Ouais, d'accord. Allez hop, deux coups, salut. Il est pas bugué ce remake? Non, il a été un petit peu, comment dire, critiqué parce que... bah, ils ont fait le minimum effort, mais... Oh là là, tout ce que je dois me retaper. Je vais les zapper un peu, hein. Mais comment dire... Il y a eu beaucoup de patchs depuis. Ah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, hein. Ah,
Il m'énerve ces poneys là. Putain, faudrait que je passe derrière toi. Oh, il me gave. Salut les gars. Il y avait le concurrent à l'époque Command & Conquer, mais ça n'a rien à voir. Warcraft et Command & Conquer, c'est pas du tout la même chose. C'est des RTS, oui, mais c'est pas un concurrent. Ah, c'est un coup au cac ça. Putain, ça déboîte. Ça joue de rupture et c'est envolé hein. Je sais même plus par où c'était. C'était là. Ils auraient pu mettre un peu plus de checkpoint parce que là ça m'oblige à revenir jusqu'ici. Pour me taper encore un vieux Tom Berry là. Je sais même pas ce qu'ils craignent en fait ceux-là. Ouf. Ah le coquin. T'as pas le sort Doom? Non, j'ai pas ça. Allez, ça c'est fait. Il y en a sûrement d'autres. Ça m'a mis un slow là, c'est chiant. Là, par contre, sans l'arme sanguinaire, je sais pas ce que je ferais. Hein. Tellement abusé ce skill. Ah bah ça y est, je suis niveau 30 avec le sage là.
Elle est maudite ton arme? Alors non. Mais. Il y a un petit effet dessus qui est absolument génial. Et j'arrive à te l'afficher, le voilà. C'est Lando Ténèbres en fait. Elle a une aura ténèbres. Bon après là il y en a des meilleurs mais... Ah. Celle-ci il y a deux skills dessus. Mais il n'y a pas de d'éléments dessus. L'aura c'est quand même stylé. Hein. On va quand même passer dessus. Elle est quand même bien meilleure. Bon ça je vais pas le changer, je vais rester sur le sage. Voilà, je privilégie les affinités que j'ai à monter en fait. Donc pour le moment, je laisse tout ça. Ok, là il y avait une utilité quand même. Putain, il est trop bien ce skill. Excalibur. Et la clé spectre. Très bien. Quoi elle ressemble Excalibur? C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas. Tout ça, ce sera pour la fin, encore une fois. D'ailleurs, il m'en manque, il me manque... je sais pas si je peux le voir ici. Non. Si. Il me manque le premier, déjà. Je crois que j'ai vu le 18. Ah non, il est là. Mais ça se trouve, je l'ai pas loupé. On va le débloquer peut-être à la fin, je sais pas. Parce qu'il y en a que j'ai eu dans le désordre. Et les rapports de Lufenia, il m'en manque quelques-uns aussi. Il y a
Putain, mais il y a trop de trucs. C'est pour un passage secret, ça, ou pas? Ça descend, donc... à mon avis, c'est un raccourci. Ah, pas sûr. C'est quoi, ce machin? Bon. Ils commencent à avoir de la gueule, les persos, quand même. Parce qu'au début, c'est pas trop ça. Hein. Le match, par contre, je suis moins fan. Hein. Salut, Slick Slayer. Sympa, la syntaxe du pseudo. Avant de monter, je vais peut-être aller dans l'autre salle que j'ai. Capté. Attends, ça respawn là. Ah bah oui, j'ai touché ce checkpoint, purée. Du coup, j'ai perdu mes repères. Ça, c'est d'où je venais. Comme ça, c'est réglé. Je l'ai pas tué avec ça. Tox, tu fais un jeu dans ton coin? J'en fais plusieurs même. Même si là, ça fait un moment que j'ai pas avancé. Il y a Judgment, Xenogears et Elden Ring. Mais Elden Ring, ouais, ça fait vraiment un moment que j'ai pas joué. En fait, j'étais en train de monter les épisodes que j'avais fait. Mais si tu parles d'un jeu vraiment que je fais dans mon coin sans le record, non, il n'y en a pas, parce que j'ai tellement de jeux en cours que c'est même pas la peine d'en rajouter un, là. Donc, l'autre passage, c'était quoi? C'était celui-là. Ben non, c'est un cul-de-sac. Là aussi. Des jeux que je publie pas, bah en fait je viens de répondre, voilà. Il y en a plein d'autres, hein, que j'aimerais bien faire. Il y en a peut-être un que je ferai de mon côté, mais pas tout de suite. Parce que je sens que je vais rien faire d'autre après, si je commence à ce jeu-là. C'est Horizon Forbidden West. Faudra que je le fasse, celui-là. Il a l'air assez cool. Quatre jeux en même temps, c'est déjà pas mal, oui. En vrai, Judgment, je pourrais avancer assez rapidement. Seulement, bon, bah déjà, faut que je trouve un petit peu de temps à dégager. En semaine, c'est compliqué. Mais les épisodes sont assez faciles à record, par exemple pour Judgment. C'est un jeu que j'aurais pu ne pas faire sur la chaîne, hein, mais bon. Il mérite.
Il mérite d'être partagé à un max ce jeu. Ah, c'était la clé de la prêtresse. Bah du coup il me reste qu'un chemin. Et c'est celui-là. Ah bah salle illuminée par la prêtresse. Pas mal ça. J'ai fini les dernières quêtes d'FF13 et dimanche je pense passer au 13-2. J'ai récupéré un steelbook de Lightning Returns à un prix très correct. Enfin je l'ai pas encore reçu mais il a l'air ok quoi. Non non non. Là j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais il est classe le steelbook effectivement. Ça me saoule ce machin là. Oh putain. Ah je me sens mieux là. J'aime pas être enfermé. Le Zan Tetsuken est stylé, ouais, carrément. Et puissant en plus. J'ai pas vu de clé. J'ai obtenu une clé. Je sais même pas si je peux le voir. Je crois pas, hein. Ah bah là voilà la clé. Ah ok, faut débloquer ça. Il doit manquer un troisième. Il me semble que c'était au 6e étage. Faux. C'est au 7e, c'est ici. Jack, qu'est-ce que... Voilà.
Enfin, j'aurais pu le détruire, mais bon. J'en profite, ça loot. Et ben voilà. Je sens que le boss il va être marrant. D'ailleurs, je me suis refait le boss du cristal de l'eau et celui... comment ça s'appelle ? La liche. Et franchement, ça allait beaucoup mieux. Hein. J'ai réussi d'ailleurs avec le ravageur. À très bas niveau, c'est passé tout seul. En fait, c'est vraiment un temps d'adaptation. Hein. Siège de la création des trucs. Très bien. Oh, c'est pas des coquins les développeurs. Hein. Moi j'aurais mis un coffre ici. Par contre, pas de potions supplémentaires. C'est pas ouf ça. Avant Tiamat, tu en as un derrière l'ascenseur. Quoi? Oh, il est méga stylé. Dommage que j'ai pas le moine là, avec de la foudre, je pense. Au hasard. Vas-y, je vais te faire plaisir. Tidros, je vais utiliser un petit peu le mage là. Enfin, le sage. Oh, ça fait mal en fait. Oh, la portée de malade qu'il a. Oh, j'ai perdu tous mes stacks. Ouais, je pense qu'avec la magie, il serait beaucoup plus simple, effectivement. Mais il faut que j'aille récupérer des points pour faire de la magie, donc... Attends, je me suis loupé encore. Ça va faire mal, ça. Je l'avais pas prévu.
T'es en phase 2, je suis sûr, il va être totalement vénère, je pourrais pas rester à distance comme je fais là. Ça c'est sympa les petits tutos qu'ils mettent quand même. Mince, j'ai plus de garde. Moi j'insiste comme un fou là. Le sage, c'est quand même abusé. Hein. すべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰る。了解。ただし、容量には上限がある。上限に達したら、その時は無闇に活動せずに回収を待て。回収ポイント。都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。 大丈夫そうだな。
白い部屋はどこだ？俺はどこから来た？あなたらしくないわね。本当に知りたい？俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。 そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。 映画まだだったな。助かった。ここで何をしていた？義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。 城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが、君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。 また後で会おう。仕方がない、出よう。